T'as remarqué comme on était toujours dans nos pensées, soit en train d'anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister, et ça déclenche pas mal d'anxiété, ou en train de ruminer un passé qui n'existe plus, et ça peut déclencher de la nostalgie, de la tristesse. Mais l'instant présent, là, pouf, il nous passe un peu sous le nez. Je suis Delphine Pi, psychologue, et aujourd'hui je t'accompagne dans un exercice de respiration en pleine conscience. Et oui, cette respiration, elle est sans arrêt sur toi, donc tu n'as pas besoin de faire d'efforts particuliers pour la retrouver. Il suffit de se concentrer sur ta respiration pendant un petit moment. Alors n'hésite pas à enregistrer la vidéo pour la retrouver rapidement quand tu en as besoin. Et une fois que tu l'auras pratiqué plusieurs fois en ma compagnie, tu pourras ensuite le faire par toi-même, seul et n'importe où. Je t'invite à prendre une position confortable. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer comme tu préfères. Si tu les gardes ouverts, je t'invite à fixer un point en face de toi qui sera confortable avec ta position, avec ta nuque, ton dos. Voilà, que tu peux tenir entre 5 et 10 minutes facilement. Il n'y a rien de particulier à faire et rien de particulier à ressentir. Respire juste de la façon la plus naturelle, la plus facile. Et je t'invite à observer ta respiration au niveau de tes narines. Sens l'air qui rentre, l'air qui sort. Si tu fais très attention, tu peux remarquer que l'air qui rentre paraît plus frais, plus sec, alors que l'air qui sort paraît plus chaud, plus humide. Tu peux maintenant passer à l'observation de ta respiration au niveau de ta poitrine. La sentir se soulever, puis s'abaisser. Et si tu remarques que ton esprit s'est évadé, s'est échappé, eh bien c'est pas grave, c'est même son fonctionnement. Tu peux noter où il est allé et le ramener gentiment, mais fermement, à l'observation de ta respiration. L'objectif est d'être présent ou présente à l'instant, avec ce qu'il y a, d'agréable ou de désagréable. Alors si tu notes une sensation inconfortable, une pensée qui arrive, une douleur ou n'importe quoi d'autre, je t'invite à observer et à ne rien faire d'autre que de l'identifier et de te recentrer sur ta respiration. Sans jugement. Je t'invite maintenant à focaliser ton attention sur ton ventre, et le sentir se gonfler et se dégonfler au rythme de ta respiration. Dans ton ventre, tout est calme. Il n'y a pas de pensée. Juste le va-et-vient de l'air. Et ce mouvement perpétuel. Observe comme ta respiration fait bouger tout ton corps, tel un bercement agréable. Observe comment tout ton corps est bercé par cette respiration, dans ce mouvement, ces vagues. Ce bercement.